Bon vendredi tout le monde. Je suis heureux d'être accompagné à distance de la ministre Qualtrough et du ministre Leblanc et de la Dr. Tam et du Dr. New. Yesterday, we held our 21st First Minister's Call since the pandemic began. In our meeting, the premiers and I spoke about the surge of COVID-19 cases we're experiencing right across the country. This week, Alberta, Manitoba, and Saskatchewan all set new records for COVID-19 hospitalizations. Yesterday, Ontario reported over 1,500 new cases, a record high for the third day in a row. New projections are suggesting that the province could be on track for over 6,500 cases a day by mid-December. We also set a new daily national record yesterday with nearly 5,000 new cases in Canada and 83 more Canadians lost to this virus. We have to reverse these trends now. Last night, we heard directly from the premiers about the current challenges in their provinces and about what further support they do or might need from the Government of Canada. We all benefited from hearing about the difficult choices different provinces are making. For instance, Manitoba, which weathered the first wave better than most, is now getting hit hard. On that front, I can announce that Minister Blair spoke with Ministers Schuller and Friesen of Manitoba earlier this week. We've approved a request for support in their long-term care facilities until January 15, 2021. The Canadian Red Cross is already on the ground assessing the situation and is working with local and provincial authorities to determine their specific needs. COVID-19 surges like the one they're experiencing in Manitoba can happen anywhere. So we all have to be vigilant in every part of daily life and in every part of the community. I reassured the premiers that the federal government will always be there to help, but reminded them as well that our resources are not infinite. Controlling the virus now reduces the chances of impossible decisions and choices we might have to make down the road. Finally, we raised the need for further collaboration on distributing a safe, effective vaccine across the country once it's ready. On Monday, we got some much-needed encouraging news about a potential vaccine. That's good. We could all use a little hope these days. But we also have to remember that right now, our fight against COVID-19 is far from over. The vaccine won't help you or your family if you get COVID-19 now. That's why we all need to keep working together to bend the curve, to protect each other, and to save lives. Présentement, notre priorité, c'est de protéger les Canadiens. En plus d'avoir mis sur pied des mesures pour aider directement les familles, les travailleurs et les entreprises à passer à travers la crise, on aide aussi les provinces, les territoires et les municipalités. On sait que le contexte est difficile pour les municipalités qui sont sur la ligne de front et qui continuent de fournir des services essentiels à chaque jour. Dans le cadre de l'accord sur la relance économique, le gouvernement fédéral a versé plus d'un milliard de dollars aux municipalités au Québec. Dans certains cas, cette aide permettra, par exemple, de geler les taxes cette année, d'éponger des déficits ou d'améliorer les services de transport en commun. Ce n'est pas le temps de lâcher. Hier encore, nous avons tenu une rencontre des premiers ministres des provinces et des territoires. Nous avons discuté des moyens que nous continuons de prendre ensemble pour enrayer la pandémie ainsi que de l'éventuel déploiement d'un vaccin. Chaque province a partagé son expérience et nous continuons d'apprendre les uns des autres. Il faut redoubler d'efforts pour freiner le virus et nous allons travailler en équipe avec tous les ordres de gouvernement pour y arriver. J'ai aussi profité de la rencontre hier soir pour parler de la conversation positive que j'ai eue avec le président élu Biden en début de semaine, et notre ambassadrice aux États-Unis s'est jointe à nous pour répondre à leurs questions. Aujourd'hui, je peux annoncer que la mission de la Croix-Rouge dans les CHSLD du Québec sera prolongée jusqu'au 15 janvier 2021. Aux membres de la Croix-Rouge et aux femmes et aux hommes en uniforme, merci pour votre travail, votre professionnalisme et votre dévouement.
To support Canadian workers and businesses during the second wave, we've extended the wage subsidy, created the new Canada Emergency Rent Subsidy, and expanded eligibility for the Canada Emergency Business Account. Now, more than ever, the labour market is evolving quickly, and workers need to be able to develop new skills. To help Canadians access training and services, we're already providing $3.4 billion to the provinces and territories under the labour market transfer agreements. Today, I can announce that we will invest an additional $1.5 billion in the workforce development agreements. This new investment will ensure quick access to training so that workers in sectors hardest hit by COVID-19, as well as underrepresented groups like persons with disabilities, women, and Indigenous peoples, can find and keep good jobs. This is another step towards creating a million jobs and rebuilding an inclusive economy that benefits all Canadians. Minister Qualtro will have more to say on this important announcement in just a few moments. Le marché du travail évolue rapidement et il est important pour les travailleurs d'avoir accès à la formation nécessaire pour s'adapter. Certains secteurs de l'économie ont été particulièrement touchés par les conséquences de la pandémie. Notre gouvernement veut aider ces travailleurs à élargir leurs compétences afin qu'ils puissent réintégrer le marché du travail rapidement. Aujourd'hui, j'annonce donc que nous allons investir 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans le cadre des ententes sur le développement de la main-d'œuvre. En améliorant les ressources liées à l'emploi et à la formation, nous aidons les travailleurs qui en ont besoin à trouver et à conserver des bons emplois durables. C'est avec une main-d'œuvre forte et qualifiée que nous allons pouvoir rebâtir une économie plus inclusive dans laquelle tous les Canadiens auront leur place. I want to end today by recognizing that we're coming into yet another weekend where many Canadians are being asked to stay home. It's not easy, but we can't let our guard down. I know you're probably getting sick of hearing this, just like you're sick of hearing about COVID-19. It's been a tough year, and we all want this pandemic to end. But we have to do our part to flatten the curve before it gets any worse. So I'm asking you, yet again, to do your part and follow public health instructions. If you're not exactly sure what those are in your area, visit your local government's website. Continue to wash your hands. Wear a mask. Keep your distance. Get the flu shot, avoid gatherings, and download and use the free COVID Alert app. Many people with COVID-19 don't know how they caught it or from where. That's what makes the app so important. It notifies others and notifies you that you've come into contact with the virus, maybe without even knowing it. As of today, over 4,000 people have already reported their positive test result by entering their one-time code into the app. That means thousands more were then alerted and able to take proper precautions. That's a great start, but I know we can do even better. So please, if you get a positive test result, enter your one-time code into the app so it can do its work and we can all slow the spread of the virus. Lundi, on a eu des nouvelles encourageantes à propos d'un vaccin prometteur. Ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles, surtout ces jours-ci. Il faut garder espoir, mais il faut aussi être conscient que notre lutte est loin d'être terminée. Je sais qu'il y a bien des gens qui sont tannés d'en entendre parler, et j'en trouve ça plate. Ils veulent passer à autre chose, et je les comprends. Mais on connaît tous quelqu'un qui est vulnérable. On a tous nos raisons de rester vigilants, de vouloir protéger nos travailleurs de première ligne, de savoir que nous pouvons et nous devons faire tout ce qu'on peut pour réduire l'éclosion de ce virus. On doit tous faire notre part. Les gouvernements font leur part, les autorités de santé locales font leur part, nos travailleurs de première ligne font leur part, mais on ne peut pas faire ça sans les individus, sans les familles, sans les gens qui font des choix avisés. Il faut absolument
réduire le nombre de cas dès maintenant pour être dans la meilleure posture possible en vue de l'hiver pour sauver des vies. Alors, je vous demande de suivre les conseils de vos autorités locales de santé publique. Lavez-vous les mains, portez un masque, gardez vos distances, faites-vous vacciner contre la grippe, évitez les rassemblements. Joignez-vous aux 5,2 millions de Canadiens qui ont déjà téléchargé l'application gratuite Alerte COVID. Et si vous recevez un résultat de test positif, entrez votre code pour avertir les autres qui auraient été en contact avec vous. La situation n'est pas facile, mais en s'aidant les uns les autres, on va y arriver. Prenez soin de vous cette fin de semaine et dans les jours à venir.